Bonjour à tous et à toutes, je suis Alucy, bienvenue dans Neverwinter Night. La suite de ce jeu magnifique, époustouflant et rempli de mystères. La dernière fois, j'avais terminé de fouiller toute la zone du bois de pas d'hiver, une zone qui était remplie de grottes, de maisons, de plein de choses de souterrains. Et aujourd'hui, le choix, tuer ou guérir l'esprit de la forêt. Avec potentiellement un level up. Donc je vais devoir me sacrifier sur l'autel. En faisant le tour des cailloux. Alors. Un très vieil autel recouvert de bas-reliefs. Grotesques et de taches de sang. Pour certaines très récentes. Et entouré d'ossements. Trône de façon menaçante sous la cascade. Alors. J'ai le choix de faire n'importe quoi. Alors. Passer la dague sous ma paume et verser du sang plausible. Ça c'est inutile. Prends la dague et la plonge dans vos poitrines et demandez à votre compagnon de faire de même. Grave vos initiales sur la... Allez, on est des thugs. Et on le mensonge est très entier aux oreilles de rayon. Oh putain. Ah ça rame du cul. Ah ça tellement ramé. Merde. C'est parce que... Oh le con. Oh le con. Oh le trou du cul que je suis. Ah non, attendez, non, quand même pas, allons, restons calmes. Très bien, ne pas faire ça. On va essayer autre chose, putain, cette tordirane du cul, c'est horrible. Je ne l'avais pas fait avant ça. Allez, plus vite. Les temps de chargement, le meilleur ami du PC. Non, je vois par contre que là c'est extrêmement long. Donc, on va pas faire le con. Alors, on va peut-être. Hein, Ok, bon, ça sert à rien. On va passer la dague sur mon pomme et verser du sang. Lorsque la première goutte de sang touche la terre, un frisson étrange parcourt comme vertébrale et nous laissons par l'autre restant. Votre sang brûle comme de la lave dans vos veines. Ok. Je suis immunisé contre le poison. Sérieux. Genre, c'est un bonus que je viens de recevoir. Attends. Mes stats, s'il te plaît. Je suis. J'attends. Parce que quand même ça c'est la meilleure. Bah oui, immunisé contre le poison et bon d'accord. Donc ça donc. Maintenant on va essayer de sacrifier une petite créature à l'aide de la deck du cerveau. Non on va pas faire ça, ça ne sert à rien. Ça immunise du poison donc du coup décédons. Oui. Allô. Ok, la carte. Très bien. Très bien. Là, il y a un cadavre. Ça commence très bien. C'est super rassurant. Alors, par contre, ce que je vois, c'est que nous sommes vraiment quelque part. Mais nous ne sommes plus dans ce plan de l'univers. Nous sommes perdus et ça rame et c'est la merde. C'est la merde, je me fais niquer ma gueule par des pixies, non des gringes, des fées. What, qu'est-ce qu'ils font? T'es un ennemi, t'es quoi? Attends, je m'occupe de toi et quand j'aurai fini, quand ce sort, ce sera dissipé. Tire-li-pampan, j'ai mangé de l'écorce et tué. Quoi? La porte, tu veux essayer de s'ouvrir, mais en cas d'échec. D'accord.
Qu'est-ce que tu fais ici? Persuasion. D'accord. D'accord. Ah, d'accord. Échec. D'accord. Tu as peur de lui? Caché dans une tour, mon green schéma dont le pouvoir revenu sans partage. Le scan, c'était magnifique. Cette tour se dresse comme. Oh putain, mais c'est chiant! Oh, faut que j'aille le scan. Quoi? Ah, quoi? Quoi? Ah, okay. Mais non, mais arrête! Oh! Mais non, mais. Ouh, critique. Critique des dindons. Oh mais mec, t'es non mais quoi, mais non, oh, oh. Putain mais me défonce ma gueule. Mais je sais pas ce que je voulais faire. Oh des drops. Ouh, la poudre de fée et plein de petits drops. Se composant essentiellement de poudre de fée. Journal intime de Rainer. Ce journal intime est constitué de. Alors. Les dés, une grande partie de son voyage dans son royaume d'esprit, ses emplacements sont particulièrement dignes d'intérêt. Entrée numéro 32. Je viens de recevoir des nouvelles de Mogreen de la tour de Luskan. Il m'envoie aux boîtes pas d'hiver avec quelques larbins afin de combattre un esprit. Ce satané magicien m'a donné une fiole de poison, censée être incurable si l'on exempte l'unique dose d'antidote qu'il m'a également remise. J'ignore pourquoi il m'a donné cet antidote. Je pourrais peut-être m'en servir de monnaie d'échange, mais tant que nous ne savons pas ce que nous cherchons. Plusieurs magiciens de Mogreen nous accompagnent. Ils n'ont pas intérêt à se mettre au travers de mon chemin ou par Talos. Entrée numéro 34. Ces stupides magiciens veulent me tuer. Selon eux, c'est le seul moyen d'entrer dans cet autre royaume. S'ils croient que je vais laisser faire ces espèces de... Entrée numéro 39. Ces abrutis magiciens ne savent pas tenir leur langue. J'ai appris que 3 autres agents du culte se trouvaient dans les environs. L'un d'eux est resté à Luskan. Et je me permets d'ajouter qu'on y trouve les meilleures maisons de passe du coin. Le deuxième explore des cavernes au nord de Porliast. Et le troisième se trouve au village de Bois-Roussy, dont je ne sais que pour ainsi dire. Quand j'aurai fini ce que je suis venu faire ici, ce genre de renseignement devrait pouvoir me rapporter une jolie somme. Entrée dans le numéro 52. Dans le sale drap maintenant. Orc et Tif sont morts, tués par l'esprit pendant que j'empoisonnais l'arbre. Et puis ces magiciens sont partis en me laissant mourir ici. Sauf que Renma revient toujours, les gars, et alors là... Entrée numéro 57. Que se passe-t-il ici? Tous les points de repère disparaissent sans laisser de traces. C'est à croire qu'il n'existe pas d'issue. Ça me donne envie de crier. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai caché antidote, des fois que l'esprit décide de m'attaquer. Toutes les nuits, cette maudite chose passe son temps à hurler. Hier soir, j'ai bien fait me lever et aller verser antidote sur son arbre. Je vois t'es en train de perdre la boule. La dernière entrée est presque visible, comme quoi le nom n'arrivait plus à réfléchir. Et on se blague, un tas de pierres situé au nord-ouest de l'esprit. Et ben nous y allons. Je te prends ça. Je t'en prends cette Morinstierbe. Morinstierbe stylée. Par contre, j'aimerais l'examiner. Je n'ai pas assez de points de savoir. Ce qui est bien, parce que. Il faut que j'utilise un petit peu mes potions de savoir. Donc, pef. Je bois. J'ai un bonus au savoir, ce qui fait que, attention, oulalalala, Morinstierbe plus 1. Bonus électricité, altération, discipline, oh, c'est délicieux tout ça. Bon, on s'est pris énormément de pain dans la gueule. Donc, résumons ce que nous savons déjà au bout de 10 minutes. Nous savons maintenant qui a donné l'ordre d'empoisonner, voire tuer, l'esprit de la forêt. Un antidote est caché quelque part au nord-ouest, donc ça doit être en face si je me situe bien comme as. Et puis on va y aller. La petite sauvegarde et go. Par contre, il y a des fées et ça c'est pas cool. Je fais quand même attention. Une fée, vite, je vais utiliser. Alors c'est F5 sur cette fée. Alors j'utilise mes dards, même si je rate. Hein. Bon, on va utiliser les... Ah, elle est morte. Et il y a un drop fixe qui est la poussière. D'accord.
là, il y a un caillou. Gros caillou, gros caillou, j'ai envie de dire. Ouah, mais il y a plein de choses. Il y a que des fées en fait. Il n'y a pas de gros monstres pour le moment. Donc, hélas, je n'ai pas le choix de tuer ces pauvres fées. Hein, qui utilisent des sorts étranges et mystiques. Et étranges. Et mystiques. Et je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas bouger. En fait, il se passe tellement de choses, je ne peux pas tout voir. Je crois que Damien est dans la merde. Moi, je peux bouger pour le moment. Alors, pendant que Damien fait des choses, on regarde. Alors, Paul Gas, les pierres du serpent. Est-ce que mon cerveau va obtenir le serpent sans avoir le mal du pays, sans avoir rencontré. La première est la main d'un magicien d'origine Warner. Ok, donc ça, c'est devait être ailleurs. Les pierres. Ah voilà, un jeune homme du nom de Neva aurait été enlevé par le bandit. Oui, ça c'était la dernière fois. Ici, un agent du culte nommé Relmar a été découvert abattu dans la forêt. Le journal. Oui, ça il faut. Et l'esprit de la forêt, on raconte qu'il se prend des signes. Empoisonné, un grand danger. L'esprit de la forêt se retire de ce monde, poursuivi par son empoisonneur. Un agent, il est mort. Le journal révèle qu'il a enterré un remède au poison, saut et décompresse l'endroit où fut découvert. D'accord. Ah, des débris juste ici. Débris contenant un antidote au poison pour l'esprit. Tiens. Et mon journal de quête, c'est mieux. Empoisonné en grand danger, l'esprit de la forêt, en maître qui pourrait guérir l'esprit, a été découvert. Oui, mais alors, parce que je vous rappelle que j'ai en même temps un antidote au poison et j'ai le poison. Donc le choix là est. Le choix est tendu, le choix est palpable. Il y a du choix à faire. Franchement, vu toutes les emmerdes que j'ai eu à cause de l'esprit, j'ai envie de pas le soigner. Oh non, des grigues encore. Ouais, par contre là, le nombre. Regarde-moi ces animations qui en sont en train de me pomper tout le PC. Là, l'animation est. C'est bon, là tout passe par animation de qualité. C'est magnifique, Tentaculian. Pour l'instant, je me prends 0 dégâts, juste des malus au niveau de je ne sais pas quoi, des déplacements peut-être. Là, il y a un bout de chemin, là, il y a quelque chose. Dalin, tu es passé où, Dalin? Tu me rejoins, parfait. D'accord, explore un maximum la zone avant d'aller au centre, puisque je suppose hein, que le centre c'est. Elle est où la salope? Elle est là-bas. Non, Badala va s'en occuper. Non, ici, là. Non, mon personnage fait n'importe quoi. Allô, ici, j'ai de volonté. Allez. S'il te plaît, bouge ton cul. Allez, parfait, Dalin, tu es génial. Par contre, je ne peux plus rien faire. Ah, ça est dissipé. Ouais, c'est en train de. Les animations, c'est monstre. Encore. Non, c'est bon. Donc là, il n'y a rien. Là et là-bas, il y a des trucs. C'est un passage, on va y aller. Il n'y a rien. Ah, il y a un bruit, petite passerelle. Encore une petite merde. Ah non, là c'est un feu follet. Feu follet. J'ai découvert la sortie. C'est déjà ça. Ah. Un tronc. Coupé. Ah non. On va continuer ici. On va aller au centre. Le centre où, évidemment, scénaristiquement parlant, l'esprit de la forêt doit y être. Eh ben non, en fait, il est là.
Mais je veux pas te tuer. Je veux pas te tuer, putain, c'est quoi ça? Chef de sauvegarde. Je veux pas tuer l'esprit de la forêt, bordel, laissez. Tiens, prends mon rayon d'énergie magique. Je suis étourdi, c'est ça. Tiens, je t'ai fait des dégâts. Sauvegarder. Où est le jeu? Me tue. Ouais, alors là c'est bon. Là c'est le combat final. Qui va mourir? Votre esprit est submergé par des sensations de peur et de désespoir. Mais bordel, calme-toi. Je viendrai te soigner plus tard. Je peux pas bouger. Enchevêtré. Ah, le sort s'est dissipé. Allez, réflexe. Parfait. Je me suis. Allez, repos. On va attendre que ces sorts se dissipent. Déplacement réduit, trop bien. Et jet de sauvegarde réduit, encore mieux. Très franchement, j'ai envie de tuer l'esprit de la forêt. Mais comme je suis bon, je ne vais pas le faire. Je vais le soigner, donner le poison à Aribeth. Est-ce que je peux encore gratter 400 points d'XP? Je suis sûr que je peux encore gratter quelques mois. S'il y a quelques mois, je peux encore gratter. Là, peut-être. Non. Ouais, donc en fait, l'esprit était bien là. Donc, je vais donc lui parler. Y a-t-il une voix pour l'esprit? Les orientés l'esprit de la foi. Qu'êtes-vous? Un flot d'images se déverse dans votre esprit. Les créatures des bois de toutes formes et de toutes tailles, des arbres, des plantes, des insectes et des pierres. Les images de tout cela peuvent trouver dans une forêt s'entremêlent. Le défi de l'orientation image ralentit. Vous voyez une créature, les tailles sont flots, mais il s'agit manifestement d'un renard. L'esprit lui-même apparaît, le nain fait quelque chose d'un renard, mais vous ne comprenez pas vraiment de quoi il s'agit. Sous le renard est parti, l'image de l'esprit s'estompe. Les images des bois réapparaissent, mais à travers une vitre rouge. Les créatures s'attaquent mutuellement, s'en prennent à d'autres, ressentent la peur, la frustration de l'esprit, tandis que les images se fondent dans une. Très bien. J'ai découvert le remède qu'il vous faut. Voyez une image floue de vous touchant l'esprit, puis l'esprit grandit. Vous devez ça. Alors, tuer trésor, mais je vais le guérir. Vous approchez, remettez l'ordi dans l'esprit, c'est un esprit simple qui semble grandir. Vos sens sont presque déverlés par un moment de joie et d'amour. J'ai gagné 125 d'XP. Dans votre cerveau, les images gagnent en clarté tandis que l'esprit se remet à l'attaque du poison. L'image d'un renard enroulé autour d'un lapin endormi envahit votre cerveau. Quoi que tête, quoi. Alors, vous voyez un groupe d'hommes en train d'en forêt. Un nain, ok. L'image se dissout, vous découvrez ensuite que le nain se souvient. Se trouve dans le royaume de l'esprit quelques minutes plus tard, quelques autres compagnons lui rejoignent, et ces hommes prononcent un mot et le nom de Relmar se forme dans votre esprit. C'est pas vrai, que recherchait-il? Ah, mais que vous êtes-il? Reviens, les hommes ne sont pas pris par au coin en train de se ruer vers là, ils commencent à creuser entre les racines et terre, une pierre, quoi? Les hommes proches d'hommes. Les derniers hommes affrontent l'esprit. Qu'avait-il sur la pierre? L'espace de votre cerveau pour retomber par un sigil brillant, le glyphe émet des pulsations de pouvoir, vous ressentez la présence d'une magie incroyablement intense, tandis que vous regardez la rune, le sentiment de transformer le pouvoir, il devient temps. Vous sentez les époques défilées du présent vers le passé, bien entendu avec les races demi-humaines, avant même de pouvoir des humains. La pression du temps se dissipe, ok. Esprit, vous souriez une dernière. La dernière chose que vous ressentez, une plaisante sensation de bien-être. Merde, j'ai pas eu le temps de prendre. Je suis vivant. Je vais retourner. C'est trop cool. Je vais retourner, c'est trop bien. Parce que. J'y retourne parce que j'ai pas vu les hôtels. Et que je suis un peu déçu. Donc du coup, je suis à combien d'XP s'il vous plaît? Je suis à 56 points d'XP du level up. Du coup, journal de quête à jour.
Alors on posait, retrouvant tous ses forces d'esprit. Avil semble heureux d'entendre cette bonne nouvelle. Oui, Avil. Bon bah après, je pense que nous irons. Alors il y a plusieurs chemins. Mais tous les chemins vont, je pense, nous mener à la ville de Porliast pour le moment. Ou à Luskan. Voilà. Moi je veux au moins aller voir les hôtels, récupérer la pierre si possible. Le glyphe, c'est important. Ah bah là bizarrement ça ne ralentit pas, c'est vraiment parce que les animations sont ultra détaillées, regardez cette cascade. Tout ceci est d'un détail digne de David Cage. Oh, n'est-ce pas, je me suis fait attaquer, c'est ça. Je suis en train de me faire attaquer par quoi? Putain, mais repop ou comment ça se passe? Je suis désabusé, je me prends la masse d'attaque. Ah mais attaque, mon dieu! Attaque! Elle est où? Elle est là. Mais attaque là, bordel! Mais fais un truc! Ah c'est bon. Attaque! Fait. C'est bon. Donc je disais, oui, donc l'esprit de la forêt, mes couilles. Agonisant, je peux quand même lui parler, mais je vais aller voir l'hôtel, les hôtels, il y en a les 4 hôtels. Putain, voilà. Hein. Alors, on ne le dit pas assez, mais il faut fouiller. Je dévalise l'hôtel. Oh. Ouais. Ça va être lourd. Mon sac est c'est lourd. J'ai du mal à le porter. Et ensuite je sors. Quoi? Ah Alexandre, j'ai cru que ça se disait Alexandre. Hein. Voilà. Ce bouclier se modifie Q. Nous allons le mettre dans ce sac sans fond. Voilà, et j'ai récupéré les trésors. Je vais quand même lui reparler. Hein. Un sentiment de paix, man de l'esprit. Bon, j'aurais pu le tuer hein, comme une vieille pute. Mais non, je suis gentil. D'ailleurs, normalement, je crois que j'ai gagné des points dans le bon. Le Greek, bon, vous en occupez les mecs, alors. C'était avant, ici. Ah, j'ai même pas gagné des points en bonté. Ah, je suis déçu. Alors, c'est un personnel pour le bois d'hiver. Oui! Je fonce, je m'en vais. Je m'en vais et je retourne ici. Donc, caméra. Donc, la partie du bois de pas d'hiver est terminée. Ça fait un tiers de chapitre de fait. Au moins un pouce en l'air pour ça. Parce que c'était long! D'ailleurs, je vais peut-être arrêter l'épisode ici. Peut-être. Parce que je suis un petit peu pressé. Oh. La vie de youtubeur, c'est pas toujours facile. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas ce que je voulais faire. C'était une porte. Bonjour petit cerf, je peux te parler? Oui, tu es gentil. Parce que l'esprit de la forêt est libéré. Alors, où est Avil? Ah là, ici, demi-tour. Avil, archidruide. Voilà de retour. J'ai soigné l'esprit de la forêt. Ouais.
Ah, le nain, maintenant qu'elle soit devant nous, si j'ai entre Nyon, blablabla, voici 500 pièces d'or. Ah, franchement, j'ai envie de faire un don parce que j'ai juste un peu trop de thunes. Allez, faisons un don. Ah, monter de niveau. Oui. Ah oui, le montée de level. Oh putain, c'est bon. Et ben on va finir là-dessus. Ce petit épisode se finira sur... Par contre, j'ai obtenu une cape et ça... Ça, par contre, c'est pas dégueulasse. Oh, cette cape, dis-moi qu'elle est cool. Putain, je ne sais pas ce que c'est. Alors, il y a un montée de niveau, par contre. Le montée de niveau, level up. Alors, roublard, toujours. Je vais donc continuer mon désamorçage de pièges, ma discrétion, mon savoir. Et j'avais quoi d'autre aussi? Déplacement silencieux et crochetage. Il me reste 3 points. Il me reste 3 points que je vais utiliser dans la pose des pièges. Non, la fouille, ça me permet déjà de repérer les pièges. Je vais mettre un point dans la fouille. Voilà, tiens, ça me sert à rien. La persuasion, je vais me mettre un point aussi. Ça peut toujours être utile. Et le dernier point, ça ira dans les... Alors, premier secours, ça sert. Je pense que je vais mettre un point dans les premiers secours. La concentration, ça me permet de... Oui. Concentration, ça sert à rien. Alors, empathie avec les animaux. Alors là... Putain, c'est 2 points, ça. Bah, encore, que c'est la merde. Discipline, j'ai mis 3 points, pourquoi? Ah oui, ça me permet de résister. Mais ça coûte 2, c'est extrêmement... beaucoup. Perception auditive. Perception auditive. Ouais, pourquoi pas. Je vais laisser le point. Hein. Je regarde juste vite fait. Connaissance des sorcières. Détection. Non, ok. Et c'est tout. Ah, don. Esquive instinctive 3. Attaque sur noise plus 6 des 6. Ouh, fais voir mes dons. Attaque sournoise et plus 6 des cibles. A chaque fois que le roublard réussit une attaque contre un adversaire pris au dépourvu, qui ne peut le voir ou qui se bat contre quelqu'un d'autre, le coup du roublard affiche un dégât supplémentaire. Ces dégâts sont de plus 1 des 6 au premier niveau et plus 1 des 6 tous les deux niveaux supplémentaires. Ces dégâts infligés ne sont pas multipliés. Automatique. Esquive instinctive. Barre de niveau 10 ou roublard niveau 11. Oh, ce don encore un bonus de plus 2 au jet de réflexe. Putain, et mais je suis goldé. Je suis déjà niveau 10. Putain, je suis niveau 11. Oh putain, ça passe vite. Et j'ai que 85 points de vie. Bien. Et ben, ce petit épisode va s'arrêter là. J'espère qu'il vous aura plu. Ne vous en faites pas, je referai une session un peu plus longue quand j'aurai le temps. Jusque là, je lui prends un tout petit peu tard. Et comme d'habitude, hein, n'oubliez pas ce qui est like, commentaire, abonnement, tout ça, hein. On aime ça. Si c'est la première vidéo que vous regardez, je vous invite à regarder le contenu de la chaîne, voir si ça vous plaît. Et si c'est le cas, de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Twitter, de checker la playlist entière de Neverwinter Night. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine.